que je pense que nous allons passer une bonne soirée. Alors une bonne soirée autour d'un dictionnaire, autour du dictionnaire du pain, autour des mots. Et chez les compagnons, nous aimons bien les mots et les mots quand ils sont justes. Et puis ce soir, un moment particulier, puisque depuis 15h cet après-midi, pour ceux qui ne le savent pas encore, le compagnonnage a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO. Voilà. Il y a à peu près 170 personnes qui se sont rassemblées pour parler du pain. Et me semble-t-il, dans une société qui nous sépare un peu les uns des autres, le pain est un symbole puissant, une aimantation puissante, un symbole de partage. Je vais maintenant vous proposer de commencer à déguster le pain, le fromage et le vin, les fondamentaux. Je pense que ce soir c'est très important parce que il n'est pas souvent qu'il y ait une grande célébration du pain. Le pain, j'allais vous dire tout simplement, c'est une grosse partie de ma vie puisque je me suis engagé à l'âge de 16 ans dans ce métier extraordinaire. Je me suis vu dès que j'étais enfant, dès que j'ai eu 3 ans, faire la boulangerie et voyager. J'ai réalisé ça, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser, de pouvoir me former et pouvoir enseigner. Pour moi, le pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous passez votre vie sur un métier, si vous épanouissez à travers ça, c'est beau. Je ne manquerai pas de remercier les compagnons du devoir parce que si j'avais eu vent de leur existence dans ma jeunesse, j'aurais frappé à leur porte. C'est leur philosophie qu'il faut absolument maintenir, défendre et développer. C'est formidable. Et le pain, depuis ma tendre enfance, c'est toute ma vie. D'abord, on les a rassemblés dans un livre et ensuite, on les a rassemblés dans un lieu et qui, je le sens, sont des gens émus par le pain et par l'idée que véhicule le dictionnaire qui est de mettre les gens ensemble.